Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, c'est simple. Vous avez beaucoup aimé la vidéo où je vais essayer de dormir chez les Coréens. Et bien aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu dans le même style, mais un peu moins abusé. Je vais juste aller voir des Coréens et leur demander si je peux les prendre en photo. Vous savez, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis quelques temps, que j'aime bien faire des photos d'inconnus comme ça, mais je vous ai jamais vraiment montré comment ça se passait. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo combien de refus je vais me prendre. Si je vais m'en prendre, peut-être que je vais pas m'en prendre. Normalement, ça devrait bien se passer parce que j'ai une tête de mec gentil. Ah, en vrai, comment dire? Normalement, ça se passe bien. Mais là, je vous avoue que comme je suis filmé en même temps, je sais pas si ça va bien se passer. Mais bon, on va essayer. J'ai confiance. Les Coréens sont gentils de manière générale. Et on va essayer de trouver des gens stylés. Voilà. Vous avez vu que la qualité de la caméra a un peu changé. Parce que là, je vais filmer avec le gros calibre. Enfin, je vais prendre des photos plutôt avec le gros calibre. Et tout simplement filmer avec mon ancienne caméra qui est tenue, pas par n'importe qui, mais par l'actionnaire majoritaire qui s'appelle Regis. Ouais. Merci à toi. Dédicace à Twitch. Quand je prends des photos, la première étape, c'est que je marche un peu et je regarde un peu les gens, je regarde tout le monde et je me dis qui pourrait être intéressant à photographier. Pas forcément qui est beau, qui n'est pas beau, peu importe, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir... Est-ce que... Ouais, exactement, qui a du flow. Ah, par exemple, eux deux là, les deux, ils sont soins. Ah, ils vont un flow, hein. Attends, je vais leur demander en balle. Ah, 안녕하세요. 혹시 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 사진 찍어도 될까요? 네, 사진. 아, 감사합니다. 여기 있으면 괜찮을 것 같아요. Message 보내주세요. 감사합니다. 안녕히 가세요. Bao. Alors. Une dinguerie là. Ah gros, hey, je suis trop vif. Je vous l'ai dit, je suis trop chaud. Je sais, vous savez. Vous le savez. Vous savez que je sais que vous savez. D'accord. Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Avant de parler même de l'application, j'aimerais vous parler du coréen de manière générale. Vous voyez que dans cette vidéo, je pense que si je parlais pas du tout coréen, ça aurait été assez compliqué de faire une telle vidéo. Parce que je vais voir beaucoup de gens en fait. Je vais voir beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que c'est grand patron? Grand patron, explique-nous. Qu'est-ce que c'est Rosetta Stone? Rosetta Stone, c'est the application pour apprendre des langues. Donc, vous pouvez apprendre le coréen, bien évidemment, mais aussi l'anglais, le japonais. Mais on va se concentrer sur le coréen. Vous avez au total 24 langues. Vous savez que, voilà, pour apprendre des langues, de manière générale, on a un livre, on fait de la grammaire, du vocabulaire, blablabla, à l'écrit. Mais on met souvent de côté un peu l'oral, en fait. Pourquoi? Parce que c'est difficile de pratiquer l'oral tout seul, tout simplement. T'es chez toi... Vous êtes sous votre petit couvre-feu, là, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de cinéma. Donc, avec qui vous allez vous entraîner pour parler coréen? Si ce n'est avec Rosetta Stone, grâce à leur technologie qui s'appelle True Accent, ce serait quand même bête que je dise True Accent pour présenter ça. C'est une technologie, en fait, qui te permet tout simplement d'évaluer ta faculté à prononcer les mots en coréen. Miseulgwan. Café. Une autre chose que j'aime bien avec Rosetta Stone et que vous avez pu voir là dans ce petit extrait, c'est que l'apprentissage des mots se fait par image et pas par traduction. C'est vrai qu'en général, apprendre une langue en se basant sur des traductions, c'est jamais très bon sur le long terme. Mais là, avec Rosetta Stone, vous aurez une syntaxe. Je ne vais pas dire parfaite, ça dépendra de vous. Et quand je dis que ça dépendra de vous, c'est que bien sûr, apprendre une langue, vous savez, c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire, les gars, avec Rosetta Stone, vous allez savoir parler coréen. Non, apprendre une langue, c'est un engagement. Donc, si vous prenez Rosetta Stone, apprenez sérieusement, mettez-y-vous sérieusement tous les jours. Voilà, vous avez votre petit téléphone, vous allez aux toilettes, vous faites un peu de Rosetta, vous êtes dans les transports, vous en faites un peu. Et je pense que c'est comme ça que ça va finir par rentrer. Donc, si apprendre le coréen avec Rosetta Stone vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai un petit lien pour vous avec des réductions sur absolument tous les abonnements Rosetta Stone. Et n'oubliez pas également, il y a l'abonnement à vie qui comprend toutes les langues pour 179€. Donc voilà les amis, merci à vous. Apprendre une langue en ce début d'année, ça peut être peut-être une bonne résolution. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite. Je vous dis la vérité là, je vais voir n'importe qui. Regarde, le mec là-bas là, il est soin là. Le gars là-bas là. Lui, je le prends en photo en brrr, en rapide. Attends, je vais demander. Annyeonghaseyo. Ok, 죄송한데요. 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 괜찮으시면 사진 찍어도 될까요? 네. Ah, merci. 감사합니다. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요.
Ah ouais hein. Il avait du flow lui hein. Ouais il était bien soin. Ouais. Mais en fait en Corée, je vous avais arrêté, c'est trop facile. Les gens ils sont bien habillés, enfin ils prennent soin d'eux et ils ont toujours une apparence, comment dire, soignée. Qui se prête à un date. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais exactement, soignés. Ils sont toujours soins. Bon, tu sais quoi? Essaye de me donner un défi. Parce que sinon c'est trop facile je pense. Une personne âgée je pense ça peut être. Personne bien. Âgée? Ouais. Ah. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Donc tu sens des chunen. Aïe aïe aïe. On va changer de défi hein. Ah ça fait toujours un peu mal au cœur quand ça m'arrive. Mais bon ça fait partie du jeu. Hein. T'avais pas l'impression que les Coréens sont un peu pas fermés mais. Ouais. Pas forcément enclin à parler avec des inconnus, mais au final. Deux premiers essais, ça passe. Deux premiers essais, ouais. Bon, le troisième, c'était chaud, mais ouais. Ça va. Oh. Les deux là. Là, je bégaye un peu. 안녕하세요. 혹시 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 괜찮으시면 사진 찍어도 될까요? 무슨 사진이요? 인스타 사진, 유튜브. 올라오면 괜찮아요? 제가 나오는 거. 네. 아, 또 예쁜 사람 많으니까 저 말고 예쁜 사람 찾는 게 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 아, 나 네. 아, 누구? Elle m'a dit en gros, si j'ai bien compris, pour prendre des photos, c'était OK. Mais le fait de poster ça sur internet, elle se disait mais ici il y a plein de gens plus beaux que moi. Ouais. Donc essayez de demander à des personnes plus jolies. T'es mignonne, ça va. Ça, je sais pas, mais c'est juste, je pense, une façon gentille de me dire flemme de me retrouver sur les réseaux. Comme les deux personnes âgées tout à l'heure. T'as dit quoi? Au moins, t'as pas recalé. Ouais, elle m'a pas recalé, non. Elle m'a pas recalé. Ils sont trop beaux. Attends, faut que je leur demande. Oh, j'avoue. Ah. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 괜찮으시면 아, 네. C'est dur hein. Ah je me sens seul là. Attends qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde fait un tour autour de moi? Ah la... Je pense qu'ils étaient en date, tu voulais pas être dérangé, c'est tout. Non c'est mec, pas ta faute. Mais non je te dis la vérité, la meuf elle était ok. Je te dis la vérité, hein. La meuf elle était ok. Mais son gars il voulait pas. La meuf elle a des petites étoiles dans les yeux. Bah ouais, il s'est senti en danger. Il s'est senti en danger devant le gros calibre. Il a vu le gros calibre. Il s'est senti. Non je sais pas pourquoi. Il m'a même pas laissé finir ma phrase. Annyeonghaseyo. Sachin chigodo del kayo. Ah, 저희요? 네, 괜찮아요? 아, 뭐야, 싫어, 안 싫어. 밝아서 진 사람이 찍어. 인스타 아이디 여기요. 저 obligé de sortir le jutsu Instagram. 밝아서 진 사람이 찍어. 아, 네, 아이디 인스타 여기요. 아, 네. 네, 괜찮아요? 네. 아, 감사합니다. 여기 있으면 괜찮을 것 같아요. 감사합니다. Samida. Oh c'était chelou mec. C'est dur. Oh c'était chelou. Oh, c'était... Elle est partie vite ça. Mec, en combien de temps que je fais ça? En 2 mois. Je pense que c'était le moment le plus bizarre. Ouais. Parce ouais, que mal à l'aise, en fait on dirait que. On dirait qu'elle était. Elle se forçait en fait. Ouais. Elle était pas à l'aise du tout. Tu vois, c'est comme. Hop, oh non, eux là. Alors eux. Oh la D, ils ont trop flou. Alors eux, mec. Vas-y. Attends, je vais aller les voir. Là, calibre-les. Eux c'est trop grave. 안녕하세요. 혹시 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 네네. 혹시 괜찮으시면 사진 찍어도 될까요? 아, 네네네. 네? 감사합니다. 고맙습니다. 어디. 오케이. 여기서 괜찮을 것 같아요. 포트렛 사진. 아, 네. 괜찮아요. 오케이. 아, celle-là, elle peut être bien, ouais. Ouh, enfin tu vois. Modèle il fait. Ouah. Il faut pas. France 오셨구나. 네. 아, 진짜요? 근데 한국에서 있어요. 아 진짜 그런 거 네. 네. 인스타 있어요? 네. 아니요. 로제타 스톤 있으니까 감사합니다. 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 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
Il avait trop de flow. Eh, il était soin. Ah, l'homme était soin, mec. Oh non. Le bug était... Il était soigné. Soigné, oh. Regarde, le gars devant, là, il est soigné. Ouais. Attends, je vais demander. Ah, 안녕하세요. 저희 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 괜찮으시면 사진 찍어주세요. 아, 감사합니다. 패션 사진. 패션 사진. 네네. 하나, 둘, 셋. Elle, elle est soin, mais elle, elle est escortée, mec. Ouais. C'est bizarre un peu. Attends, je vais demander. Ah, 안녕하세요. 저희 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 괜찮으시면 사진 찍어도 될까요? 무슨 사진이요? 패션 사진. 네, 패션. 스타일, 스타일 너무 좋아서. 우리 아니야, 너야. 우리 아니야, 너야. 오케이, 됐어요. 아, 네. 아, 사진은. 아, 아, 아파요. 아, 어디에 올리시는 거예요? 오, 잘 나왔네요. 오, 어디다. 아니요, 아니요. 어디에 올리시는 거예요? 유튜브. 유튜브요? 네, 유튜브. 유튜브 채널 밥산. 밥산, 네. 밥산이요? 우리 밴드 762밖에 안 돼요. 22요? 와! 우리 밴드 멋있어요. 760. 사진 찍어도 될까요? 사진이요? 네, 스타일 너무 좋아서. 어? 서 있으면 돼요? 스타일. 네네네. 네. Le, le nombre de, de gens que je vois, qui te regardent et tout, t'es une star en vrai. Non, arrête. Arrête, faut pas brancher les gens comme ça. Ce resto il est incroyable. Ce resto là, si vous êtes à Hongdae, tu vois il paye pas de mine. Hein. Ouais. Il est terrible, il est archi bon. Petit resto japonais, fusion coréen un peu. Je suis en mode sniper là, c'est bizarre un peu mais bon. Je suis obligé. Tu sais là c'est le moment bizarre un peu. Je suis derrière eux mais je sais pas comment les attraper. Oh. Mission avortée. T'as croisé des potes à nous là-bas? Ah, mais coup, des neufs, non? Ouais, sûrement. Ils nous ont dit, ouais, vous allez sûrement le croiser. Et là, je vois le devoir, salut. Le caméraman, je dis, ouais. C'est Reggie, c'est le R. Ça va ou quoi? Ça va, les deux. Comme les groupes. Non, non. Mais vous serez sur YouTube. Ah ouais? Ah, yeah. Salut, hein. Yes. Oh, regarde la ruelle, là, mec. C'est beau de ouf, hein. C'est bien parce que t'as vu, ça fait des bons plans en plus, ouais, avec le gimbal. D'ailleurs, c'est quand tu mets par exemple la bouffe. Ouais. Pour descendre la caméra pour qu'elle filme. Ah, tu il faut que tu m'annules sur la gâchette. Ah, bonjour. Salut. Je suis une abonnée. Ah bon? Ouais. Bonjour, je suis trop contente d'avoir croisé. En gros, t'as croisé mon pote à notre village et c'est des Mexicains. Ah, ok. Buenos dias. Buenos dias. Ah, bah, du coup, on se passe bien. Ciao, merci. Bye bye. Eh mec, t'es mal ambiance. Mec, viens voir le plomb que ça fait. T'es mal à bête d'ambiance. Comment? Mais ça, ça c'est des choses interdites normalement. Ouais. Des ambiances comme incroyable. Ça. Là. C'est magnifique en vrai. Les chaussures marrent. Bao. Message, bonne chance. Comme ça, Mida. Comme ça, Mida. Comme ça, Mida. Ils sont trop marrants. Il était gentil de ouf. Truc que je remarque, c'est qu'au départ, à chaque fois que je vais voir les Coréens, voir des gens dehors, ils ont l'impression d'être un peu froids, mais je pense que c'est parce qu'ils sont un peu méfiants. Ils savent pas trop ce que je vais leur demander, surtout qu'il y a deux caméras comme ça. Mais une fois que je leur explique vraiment que c'est juste pour prendre des photos, il y a tout à l'heure un couple qui m'a demandé si c'était gratuit. Bien sûr. T'imagines les trucs de fouillade, tu vas voir les gens. Hein. Le grand patron est généreux. Le grand patron fait dans la générosité. Et là, 100% mec, 100%. Ok. 안녕하세요. 저기 죄송한데요. 저는 프랑스에서 온 유튜버예요. 혹시 괜찮으시면 사진 찍어도 될까요? 스타일 너무 좋아서. 아, 여기. 인스타 여기요. 네. 어,
Instagram, yogyo. Kenchana yo? Style, I'm trying to so. There, there. Do you want me to remove? Oh, you speak English? Kind of. You should have told me earlier. No, no, actually, I really like your bag. Oh, really? So it would be nice if we can see a glimpse of it. Okay. Can you turn a bit? Like this? Yes, okay. And look at me. Oh, okay. I will edit them. Okay. And then send you later. Okay. Do you have Instagram. Insta or? Yeah. Ok les amis, du coup c'est terminé pour cette vidéo. Dites-vous que je fais ça peut-être 2 à 3 fois par semaine maintenant depuis 2 mois sans caméra tout seul. Ça se passe toujours super bien, donc je voulais vous montrer vraiment comment ça se passe. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé les petites photos. N'hésitez surtout pas à venir sur mon Instagram si vous voulez voir toutes les photos que j'ai prises aujourd'hui. Merci infiniment à Regis. Pas de soucis Ray. Pour avoir... Pour m'avoir aidé tout simplement à tourner ça, tout seul c'est très compliqué. Je vous invite également à aller voir Rosetta Stone. Si peut-être un jour vous voulez faire comme moi, venir en Corée et demander des choses à des gens, sans coréen ou à la rigueur l'anglais, c'est compliqué. Le lien est dans la description, merci à eux de soutenir ce projet-là. Si cette vidéo a du succès, voilà, vous savez ce que je veux dire, et ben j'en ferai une autre. Merci à vous et on se dit à la prochaine. Ciao.